Allô, allô! Alors aujourd'hui, on est le vendredi, le 17, je crois. On est-tu le 17? On est le 17. Ben c'est ça, j'ai pas pu vraiment vlogger les dernières semaines. Salut! J'ai pas pu vlogger les dernières semaines, en fait, parce que je suis en stage en ce moment. Puis je termine vendredi prochain. Fait que c'est ça. Je vais essayer... Ici, on a une grosse maison rouge. Fait que je vais essayer de vous filmer quelques bouts de ma journée aujourd'hui, là, mais dans le fond, on va se reparler plus tard, là, quand je vais avoir fini mon travail pour mon stage. Fait qu'on se voit tantôt. Bye. Vendredi midi, là, vu que c'est la fin de la semaine, là, je m'en prends un. Tu filmes? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que je regarde là-dedans? Ouais. Tu veux que je regarde ça? Mm-hmm. Tu veux qu'on s'en va voir quelqu'un? C'est à soir? Ouais. C'est le fun, ça? Et qu'on s'en va. OK. Hippopotame. Voiture. Voiture. Auto. Auto. Vert. Ouais. Bleu. Bleu. Du lait. Bleu. Du lait. Un pied. Un pied. Lait. Des yeux. Des yeux. Florence. Un yeux. Florence. Un yeux. Florence. Non. Aujourd'hui, je vais vous faire un blog, là. Un petit blog. D'abord, je vais vous montrer ça. C'est pour ma maman, Catherine Carrier. Je vais vous montrer ça. C'est du café dedans. Après ça, je vais vous montrer une dernière chose là. Ça, c'est comme ça là. Et mes deux colliers pour des petits cadeaux à mes amis. Deux petits colliers qui sont un petit peu emmêlés. Bye! Hello, hello! Alors, nous sommes, je crois, le 26 avril. Il est 4h20. Puis, il fait beau, beau. En tout cas, c'est moins... il pleut plus, finalement. Fait que j'ai décidé qu'on sortait puis qu'on allait ramasser le terrain qui est vraiment dégueulasse. Donc, je vais faire un avant-après de notre journée. Ce qui veut dire, je sais pas, on va peut-être rester une heure vu que c'est ça. En tout cas, fait que là, j'avais sorti les vélos. Comme juste ici, parce qu'en bas, il neigeait, il restait de la neige, puis tout ça. Puis ça, c'est les dégâts de cet hiver. En tout cas, tout le bois qu'il y a là, là. Puis là, ça, c'est le pavé qu'on n'a pas terminé, qu'il faut terminer. Là, puis ça, c'est resté là tout l'hiver. Ça fait vraiment dur. Fait qu'il faut tout, j'arrange ce coin-là. Ça, c'est des déchets. De comme tout le plancher de la cuisine et tout ça qu'on veut mettre au chemin cette semaine. Fait que c'est ça, je veux balayer le patio puis mettre les meubles de patio aujourd'hui. Puis je vais essayer aussi de continuer de racler parce que j'ai commencé mais j'ai pas terminé. Fait que c'est le jardin qu'on n'a pas rien enlevé à la fin de la saison dernière là, parce que tu sais j'ai accouché puis c'est ça, on n'a pas super gros entretenu le terrain après ça. Fait que même mes framboisiers, je les ai pas coupés l'année dernière, mais bon. Fait que c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de feuilles à ramasser. J'avais commencé un tas là-bas, là, à l'autre bout. Mais c'est ça, faut tout que je ramasse ça.
Puis de ce côté-là aussi, il y a plein de branches à jeter. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Donc, vous allez voir un avant-après du terrain. Ça va peut-être prendre quelques jours. Ça va peut-être être fait sur plusieurs jours, en fait. Mais c'est ça. Puis ici, dans ce coin, ici non plus, j'ai rien enlevé. Mais ça, c'est comme des listes. Puis là, il y a des rosiers que je ne veux plus. Et là, il y a des rosiers que je ne veux plus non plus. Donc, ça, je vais enlever ça. Puis, c'est ça. C'est pas mal, ça. OK. On va voir comment je réussis cette première étape. Puis, ben, je vous reparlerai tantôt, là, pour vous montrer comment que, à quel point c'est rendu. Donc, à tantôt! Moi et Frédéric, on vient de se faire des crevettes bang bang. Ça ressemble vraiment à ça, c'est fou là, puis ça goûte vraiment bon. Puis on s'est fait aussi des brochettes de poulet avec du riz au poulet, puis céleri, puis oignon. Puis en dessous de ça, il y a comme de la vertu iceberg. Ça, ça se mange à la brasserie Florimond normalement. C'est quoi ton verdict? On va y goûter avant. Ben oui, mais tu as goûté. Pas avec la sriracha. Tu n'as pas goûté avec la sriracha? Mon prix, une girafe. C'est sûr que ça va être bon. Ça, l'avenir nous le dira. Allez! Mange une girafe. C'est excellent. Goûte plus, hein? Alors, nous sommes le jour numéro 2. Il est 1h50 de l'après-midi. Puis, c'est ça, l'autre fois, on s'est fait prendre par la pluie. Fait que finalement, on est resté peut-être 1 heure dehors. On a eu le temps de racler juste le bas du terrain. Et mettre les meubles de patio. Puis, j'ai lavé mon patio aussi. Je l'ai pas lavé. De fond en comble, puis j'ai pas fait les barreaux encore, mais bon. Fait que les mêmes sont là. Là, j'ai apporté toutes mes pièces pour le gazebo. Finalement, on va le monter. Puis c'est ça. Mon barbecue il était comme à la pluie, fait que là, j'ai laissé sécher, là, mais bon. Fait quoi? Ouais, ça, c'est là. Puis il y a beaucoup de déchets à ramasser, là, tu sais, je vous avais parlé. Ici, là, j'avais comme tout mon plancher de... Ah, il reste des trucs que Fred a oublié. En tout cas, ça va être à porter quand il va avoir les déchets toxiques à ramasser. Puis là, il faut tout enlever le bois. Puis là, c'est ça, comme je disais, je vais enlever mes rosiers. Mais bon. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le gazebo. Qu'on aura une petite place pour manger si on veut. Puis... Non. Je vais pas me battre. Fait que là, c'est ça. Là-bas, on n'a pas encore raclé le terrain ici. Mais en bas, là, où les jeux, c'est tout fait. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. C'est comme toutes des branches que j'ai ramassées sur le terrain. Ça, c'est le poteau de la clôture qu'on a réparé l'année dernière. Puis ça, c'est en fait à Olivier. Ça a l'air qu'on a jeté du sirop là-dedans, mais je vais l'enlever pour le mettre dans la poubelle. Ça, c'est des vignes. Je suis tellement écœurée de ces vignes-là. Ils poussent dans les cèdres, puis c'est juste ça n'a pas d'allure, comme il y en a. Fait que c'est ça. Puis là, il faut finir le pavé. Fait que là, je m'en vais chercher la poussette pour installer Étienne. Qu'il puisse nous voir pendant qu'on travaille à l'extérieur, puis qu'il puisse s'endormir pour son dodo d'après-midi. Fait que... C'est ça. On se reparle tantôt. Bon, donc il est 4h moins 20. Non, 5h moins 20. Puis on est rendu à ça. On a monté le gazebo. Bon, une chicane qui vient d'éclater pour la deuxième fois en 5 minutes. J'ai installé ma lumière. Puis là, je suis en train d'installer mes petits. Mes petites fausses verdures là. Je suis installée mon petit bouquet, mon faux bouquet. Puis j'ai regardé un peu les coussins, de quoi ça avait de l'air. Ouais.
Donc ça donne ça. Je ne sortirai pas dehors, là. J'ai étiré dans mes bras, mais... Je vais peut-être racheter 4 coussins pour les 4 chaises qui n'ont pas de coussins au dossier. Mais ça donne ça, là. C'est beau. Ouais. Il fait vraiment beau. Là, je m'en manteau. On revient d'aller chercher un café puis tout. Puis je pense que je vais être capable d'enlever mon manteau. Je vais ramasser un petit peu ici. Comme vous voyez. La clôture. Hi there! Hi Ali! Salut! Même lui, il va avoir chaud. Oh, c'est good? Tu vas avoir chaud? Tu veux le prendre, il est cute. C'est un peu cute. Olivier, t'as le droit de partir avec la balle dans tes mains? Allez, joue-moi. Walker gazon. C'est ça, t'arrêtes parce que je te filme. C'est ça. Bon, fait qu'on a vraiment avancé aujourd'hui. Désolée de ne pas avoir filmé. Mais on a tout arrangé là-bas. Arrangé. On a tout raclé là-bas. On a enlevé. En tout cas, j'ai passé le balai. J'ai rincé l'auto parce qu'elle était vraiment sale. Elle est encore sale, mais bon, c'est moins pire. Je vois que. Mon Dieu, ça arrive à Paris. Les dessins. Faut vraiment que je la lave. Bon, fait que c'est ça. On a étendu du linge. Là. Je commençais à enlever des feuilles dans la piscine, mais ça va pas bien parce que le filet est brisé. Après ça, Frédéric, il a. Comment t'appelles ça? Bêché. Ouais, bêché le potager. Puis il a coupé les rosiers. Il faudrait juste aller. Pas défricher, mais. Les arracher complètement. Ça, c'est fait. On a terminé de racler comme tout le terrain en haut. C'est ça qu'il nous restait à faire. On a vraiment coupé beaucoup de trucs, là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, il reste un mess, là, encore. Mais on a vraiment avancé. Fait que je suis contente. Ça fait du bien. Ouais. C'est ça. On a dîné dehors ce midi. Puis, je sais pas si on va manger. On a mangé des crevettes bang bang ce soir. Hein, chérie? Oui. T'aimes ça, hein? Oui, toi? Oui, hein? Et on va faire une vidéo un jour sur la recette. Parce que j'ai posté une photo sur Instagram il y a une semaine à peu près. Et les gens voulaient savoir comment on fait ça. Fait que c'est ça. Mais pas aujourd'hui. Puis arrête de me dire avec, puis mange la dent. Bon. C'était trop le bordel aujourd'hui. Fait que je vais faire une autre fois la vidéo. Hi baby! Nous avons ici le Étienne d'Amérique qui essaie d'attraper tout ce qu'il peut. Le beluga d'Amérique? Non, c'est le Étienne. C'est pas le bébé de la baleine? Hein? Hello, hello! Alors, on est encore en train de travailler dehors. Il est presque 1 heure. Je suis en train de faire du barbecue aussi. Et l'homme, que fait-il?
T'es en train de plugger les trucs pour la piscine. Que, vu que c'est la dernière été qu'on va être ici, probablement, je veux pas manquer une seule journée de piscine. J'ai dit, vu que c'est la dernière journée qu'on va être... la dernière année qu'on va être ici, je veux pas manquer une seule journée de piscine. C'est le fun qu'ils s'entendent. Bonne fête, maman. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, maman. Allez, je chante pas ça. Une chante belle assiette de gâteau, hein. Ah oui? Attends, pour maman. Attends, faut que je fasse un vœu. Maman, faut que je fasse un vœu. Un. Ok. Deux. Trois. Go! Hey! Bravo!